C'est le bordel. J'ai fait appel à Pacheco. Il m'a fait toute la vaisselle, il m'a tout fait. Mais vous allez comprendre pourquoi. Hein, rappelez-vous bien de cet endroit-là. Vous allez voir ce qui va se passer ce soir. Les gars, le clip de ISK, il est sorti. Allez, checker ça, il est sur YouTube là, actuellement. Allez, c'est le but. Les gars, vous savez pas pourquoi il se fait beau gosse. Regardez, bébé. 4BDB, il est tombé amoureux, la chanté. Hey, et ce soir, on leur dit ou pas? Ce soir, elle vient manger à la maison. La tête de ma mère, sa copine vient manger à la maison. Voilà, il y a Grace. Il est en train de s'occuper. Oh. C'est l'anniversaire à sa petite sœur. Hey. Regardez, ouais. Ils ont fait un décor de malade. C'est Mandy depuis tout à l'heure. Elle s'occupe de tout, Mandy. T'es une guerrière, Mandy. Tchéco, tu vas pas assez vite? Tu m'as dit qu'à 18h, tout serait prêt. Et regarde, il n'y a rien qui est prêt, bordel de merde. Oh! Et là, il y a quoi? Oh! Ah, mais t'as fait toute ma chambre! T'as nettoyé toute ma chambre! T'as tout bien nettoyé, Pacheco. Tiens, t'as payé. On dit merci, Nasdas. Merci, Nasdas. Voilà, t'as même fait la vaisselle, c'est bien. T'as tout et moi. Bien, bien et bien. Ce soir, c'est un soir très important pour le petit 4BDV. Il y a sa copine qui vient. Vous avez compris ou pas? Je veux rien laisser au hasard. Toi, t'as fait à manger? Ouais. T'as fait quoi? Je suis un bon plat. Un bon plat? Bon plat. Préparez-vous. Préparez-vous. Continuez. C'est tout beau, mon fils. Hey, il stresse. La tête de ma mère, il stresse. La tête de ma mère, c'est son premier vrai rencard. T'inquiète, je suis là, je vais m'occuper de tout. Tu le sais, mon gars. C'est tout. Ça te dérange si Nasdas, il snap? Ah ouais, mais dans la story, vous parlez de moi? Ouais, mais c'est vite fait, on sera que deux au salon. Si on est que toi et moi, ça va. Ça veut dire qu'elle me laisse la snapper? Bien sûr, mais c'est pas après, viens, me dit ouais, supprime la story, moi je pourrais pas la supprimer. C'est toi, tu commandes? Bien sûr. C'est ça, mon gars. C'est moi, voilà. Déjà, t'as pris une assiette rouge, j'aime bien, ça représente l'amour. T'as fait des frites, ça passe. Mais ça, c'est quoi? Il s'appelle Gagnou la phrase. Hein? Gagnou la phrase. Ah, un agneau farci? Ouais, un agneau farci. Putain. La frappe de la barre de la famille. C'est sucre? Si, si. Et un deuxième plat aussi, n'oubliez pas la famille. Dites-moi, c'est qui s'est occupé des chaises là? C'est qui m'a ramené des chaises vertes, les gars? C'est qui? Vous êtes con ou quoi? C'est qui? C'est toi? C'est toi qui t'as ramené les chaises vertes? Hein? C'est un rencard, trop du cul! Voilà, des chaises vertes! Et ça, c'est quoi? C'est l'entrée, ça? Ça, c'est la rentrée, frérot. C'est la rentrée? Ouais, c'est la rentrée, c'est trop sucre, ça, frérot. Regarde le plat. Ah, tu es vrai cuisiné ou pas, frérot? Dis la vérité avec la table comme ça. Il stresse. Regardez, toute l'équipe est en train de jobber. Voilà, toute l'équipe est en train de jobber là. C'est bien les gars. Le résultat final bientôt. Et ça, c'est une idée de génie. Tu niques ta mère ou quoi? Lipton ST. C'est la street, frère. Y'a pas de street, arrête. Vas-y, enlève-moi ça. Tu niques. Par contre, juste un truc, ta paire de TN, je viens juste l'avoir maintenant. Mais t'inquiète, tu vas pas l'avoir. Mais non, t'as un costard, bordel de merde. Et t'as que ça? J'ai que ça. Jour ou là? Tu fais n'importe quoi. Vous connaissez vos rôles. Toi, tu te mets devant la porte. Toi, bah tu disparais. Et toi, surtout toi, viens, je vais te parler. Toi, t'es majordome. Il faut que tu sois élégant, classe. Quand la dame vient, tu dis « Bonsoir madame, je peux vous servir à boire ?» T'as capté ou pas? Oui. À part ça, tu lui parles pas. D'accord. D'accord. Oui. Et juste explique-moi, la paire de TN, c'était bénéfique aussi? Ils n'avaient pas d'autres chaussures. Et je vais finir par massacrer un de vous. Vas-y, à ton poste, vite, go. Et les pétales! Toi, ton rôle, il est très simple. Si y a un gars du quartier, il vient, il veut rentrer, tu lui dis quoi? C'est pas possible. Et si c'est un peu urgent, tu viens m'appeler. Je serai à l'intérieur. De toute façon, t'as l'oreillette, c'est bon? Carré, mon gars. Parfait. Bien, Tom. Du champomy. Ça, tu la tiens classe. La con de ta mère, la con de sa mère, la con de sa mère. Classe, on t'a dit. Classe comme ça. Mais oh. Eh, parle avec lui. Voilà, parle avec lui. Classe, comme ça. C'est du champagne, c'est pas moi. Tu m'en aimes pas, là. Excusez-moi. Je vais le tuer, là, ton oncle. Je vais le tuer, ferme la porte. Passe. Chut.
sur la meuf. Mais comment? Ça, arrêtez, arrêtez, vous allez le défoncer vous aussi, les gars. Oh, ça m'en, c'est bon, ça, ça laisse tomber, ça laisse tomber, laisse tomber. Voilà. J'ai tombé la siège, j'ai tombé ta mère là. Chut, vas-y, vas-y. Prends les deux, prends les deux, prends les deux. Chut. Tu vas, tu dis voilà, en entrée, une salade, crevette et tout. C'est bon? Vas-y, arrête de faire galal, arrête de faire galal. Alors là, c'est une petite entrée, salade, crevette. Ça, c'est pour madame. Pendant que 4BDV il a un rencard, regardez. Samos, je lui ai dit, t'as 2 minutes, tu fais une pause cigarette un peu. Vous regardez la télé, y'a rien, bordel. Là, tu vois et tu leur demandes s'ils ont fini les entrées. C'est bon? Il est comme ça, je 24, espèce de perché, moi. Vous avez donné les entrées? Vous avez fait les entrées? Ils ont dit quoi? Ils ont dit quoi ça? Franchement, voilà, ils ont dit c'était éclaté ça, mec. Comment ça, c'est trop beau? Voilà, ils ont dit c'était éclaté. Comment ça, voilà? Tu dis pas beau, je te baisse le tibou. C'est trop beau ça. Oh, dis la vérité, s'ils disent que c'est éclaté, voilà, dis-le. Mais franchement, ça, ça va être bon. Ça, ça va être très très bon, bâtard. J'en peux plus transpirer. Alors voilà, ça c'est le plat. Un petit ragoût de... Un petit ragoût? Il a dit un petit ragoût? Ragoût, il a dit un petit ragoût. Ragoût, fils de pute. Oh là 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 là. Quoi, t'es parti dire que c'était un ragoût, guignol? Il s'appelle l'agneau farci ou fils de pute? C'est l'agneau farci! Non, l'agneau farci! Éclaté au sol, c'est horrible! Ah, mais je jette l'eau dans la fenêtre, là! Ah, c'est dégueulasse, là! Non, c'est à toi! Tu vas, tu dis, ouais, je suis la sécurité, s'il y a quelque chose, vous inquiétez pas, je suis là! Vas-y, 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 on leur montre vraiment que... Bonjour! Bonjour! Il est en train de faire le rythme. Regrette, voilà, j'ai failli vomir après cette strette horrible. Comment ça t'a fait toute l'assiette? Ouais, j'ai failli me chier dessus, là, voilà, je suis constipé. Ah merde, voilà, tu te demandes pas, fils de pute. Voilà. Ah bien. Dis la vérité, ils ont dit quoi? La fille elle a dit que c'était trop cul, mais 4BDV m'a dit bien, mais pour faire plaisir à Billy, j'ai dit. Comment ça, c'est un fils de pute? Fils de pute, tu es Christophe quoi? Quand on balance comme ça, Isabelle, balance. Quand les assiettes ils reviennent, regardez la chaîne T, ils mangent tous, vous avez faim? Mange toi! Voilà la sécurité la plus maigre de France, j'ai jamais vu ça de ma vie, vas-y mange! Quand les assiettes. Lui il va dire la vérité, dis la vérité, déjà il a fait une tête bizarre. Sérieux? C'est ignoble. Lui, il va dire la... Tu veux sortir avec moi? Dans 5 minutes, on balance le dessert et bim! Les mains, les mains, les mains, tu vois pas? Tu peux pas... Les mains! Va te nettoyer les mains, c'est quoi ce majordome? Regarde! Regarde! C'est lui qui lui donne la PAC. Oh, ça, Samos. Il va voir une fille. C'est toi, tu lui donnes la bague. C'est logique, frère. Pareil pour toi. Ouais. Pareil pour toi. Pourquoi c'est toi, tu donnes la bague à la meuf de 4BDV? Un plaisir. Tu veux faire ça aux jeunes? Regardez. En plus, hein, sur la tête de ma mère. Chut. Les gars. Oh, putain. Plus sérieusement, vous êtes ensemble. Lola, le petit 4BDV, c'est un snapper. Moi, je suis un snapper. On vit avec nos téléphones. Ça veut dire qu'il faut que tu assumes être filmé maintenant. C'est vrai, ça te dérange pas?
Ça te dérange pas toi aussi? Ça me dérange pas. D'accord, ok. D'accord. Je note. Hein. Savoir que 4BDV et Lola, ça fait 2 semaines qu'ils se parlent. Ouais, 2 semaines. Mais ils ont pas réussi. Enfin, 4BDV, il était trop timide. Voilà. Là, j'ai officialisé la chose. Je suis content pour 4BDV. Voilà. En plus, Lola, ça va. C'est une fille bien. Ouais, sûr. La journée est finie. Regardez, il a ressorti le maillot d'Algérie. Y'a qui là-bas? Ça raconte quoi? Ça y est, là, tout le monde il est habillé là. Et ils sont ensemble. Tu sors comme ça? Tu vas pas au quartier? Si, je vais au quartier. Mais attends. Oh, il a le droit d'aller au quartier? Ça, c'est mignon. T'es plus grande que lui. Voilà, elle est plus grande que lui.